Et salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo donc sur Dofus Touch, le tout nouveau jeu. Donc je m'assure que je filme, oui. Donc voilà, donc sur le tout nouveau jeu, donc je vais vous montrer quelque chose de très facile à avoir, donc qui est le bâton de Fepus qui tape très fort donc en neutre. Mais je vais aussi vous montrer la punitive. Je peux donc on va aller directement sur les je pense aux pichons. On va trouver un petit groupe, voilà, tranquille. Donc je fais cette vidéo vu que je faisais des vidéos Dofus dans le passé. Je ne sais pas si je les ai supprimées, je crois que oui. Si vous voulez les voir, ben, c'est les plus chanceux qui les ont vus. Désolée, je n'ai plus les rendus de ces vidéos. Tout simplement parce que j'ai dû reboot ma tablette. Hop. Hop, on fait les petites astuces. Qui ne marchent pas tout le temps. Si, ça va, ça marche. Donc voilà, donc je vous retrouve quand j'ai trouvé un groupe. Donc, au pichon. Ciao, à tout de suite. Et re, ça y est, donc j'ai trouvé le petit pichon des rêves. Donc je vais vous montrer bien sûr le bâton donc de Fepus. Je vais vous montrer ses stats avant. Voilà, donc ses stats, c'est tout simplement force. Et force, j'en ai besoin pour ma punitive justement. Bon, la résistance, faudra que je m'en rachète un. Moins 5 en agi. Ça, l'agi, je m'en fous parce que tout simplement, ça sert à rien. Voilà, donc je vais vous montrer la punitive. Donc full boost, mais complètement full boost. Donc hop, après il faudrait que je l'enlève le bâton. J'ai aussi un vol de PM qui est extraordinaire. Donc, allez, je vais vous montrer le coût de la punitive. Donc, à combien? Du 56, regardez, donc, c'est terre. Bon, voilà, là, en l'occurrence, parce qu'en critique, je peux faire du moins 86. Il y a de la res-feu. Ouais, je vais devoir le frapper à la punitive, ce petit là. Saoul. Parce que du coup, je dois attendre deux tours. À part si je peux lui kick des PM, ce serait gentil. Ben non, ils veulent pas. Ah, il a de la résistance neutre. Ouais, un peu de résistance neutre. Donc, je vais vous monter le bâton. Oui, le bâton. Donc voilà, sur du, quand même, sur du 12% de res. Et mes attaques feu, je vais vous montrer, sont quand même assez, voilà, no boost, sur du 59%. Je l'ai presque tué. Je peux pas lui faire un dernier coup de puni. Merde. Je peux pas. Je l'ai tué, bon. Voilà, on XP, bon, pas trop mal. Donc, je regarde à combien de minutes. Ouais. Donc, je vous ai montré, donc, la petite dague et la petite punitive. Donc, voilà, le petit stuff aussi. J'ai la bague, la baguette comme ça. 5 Vita, et c'est surtout pour l'Intel. Donc, ça, voilà, c'est à part. L'intel, vu que je suis un cra qui sert beaucoup. Donc après j'ai une petite amulette, ça c'était pour là, ça au départ, une amulette du petit ours, donc c'était pour la force de base. Après j'ai mes petites bouffe bottes, la ceinture du Pew, parce que la ceinture du bouffe tout coûte très cher. L'anneau de l'aventurier, pourquoi? Pour la force et pour l'intel. Donc j'en avais un deux partout. Un petit anneau de bouse Leclerc, donc ça c'est pas grave. Et l'amulette du Bouffetou 4 force 4 Intel, avec un petit chapeau du Pew pour la force et la cape du Pew pour la force. Et bien sûr, ça, les 18 forces. Donc maintenant, je vais vous montrer
du lourd en rocks, mais du très très lourd. Par contre, faut que je garde ça. Allez, c'est parti les amis. On va en chercher un. Donc je vous retrouve quand j'en ai trouvé un. À partir si sur cette map il y en a un. Non, bah, je vous retrouve quand j'en ai trouvé. Et re, donc voilà, donc j'en ai trouvé un tout seul. Donc c'est parti, un pichon bleu. Donc normalement c'est de la raise haut, cela là. Ouais, et ça. Le cac va pas passer. Donc je vais. Non, je vais le garder le cac. Mais par contre, bon, la punitive ne passera pas non plus avec ses 14 de raise. Mais en fait, la punitive, si tu le passes pas tour 1, elle dit à peu près des boosts, on va dire. Voilà. 45. Oh, quand même. Sur du 14%, du 45. Bah après, il se régène, mais pas énorme. Hop. Là, moi, je vais le frapper. Peux lui kick PM. Je vais pas tenter. Je vais pas tenter de kick PM. Hop. Je peux en retendre une. Voilà, du 72, les amis. Du 72. Vous avez bien vu comme moi. On va mettre le chat combat. Du 72. C'est énorme, les amis. Du 72. Vous avez vu sur du 15 ou je sais plus combien de pourcents. Du 72. Donc si vous voulez rejoindre ma guide, je suis dans le bro les bro les bro tofu sur le serveur, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais faire changer de personnage, oui, et je vais vous montrer sur quel serveur on est si vous voulez venir. Donc hop, changer de serveur, on est sur Oshimo, si vous voulez venir, n'hésitez pas, on vous accueillera. Donc, je pourrai vous inviter. Je ne joue pas illimité pendant toute la journée. Donc, si je ne suis pas connecté au jeu, mettez-moi en ami et de temps en temps, postez-moi un message. Et quand vous verrez que je suis connecté, vous demandez est-ce que tu peux m'inviter? Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et de s'abonner.